pensait pas s'attirer les foudres du public en partageant sa joie. Le vendredi 12 novembre 2021. Classe égale à Asher et l'Anouchka Delon a relayé un article annonçant qu'une pétition pour réglementer la chasse en France avait dépassé les 100 000 signatures et qu'elle allait être examinée par le Sénat. Mais cette nouvelle n'a pas plu à tous les amoureux du terroir traditionnel de nos contrées. Et certains l'ont fait savoir à la comédienne franco-néerlandaise, quitte à devenir un brin agressif. Après avoir partagé le lien du journal 20 minutes sur son compte Instagram, Anouchka Delon a effectivement eu droit à de nombreuses insultes qu'elle a dénoncées. En affichant les personnes qui lui avaient écrit ces mauvais mots ainsi que le contenu de leur missive haineuse. La compagne de Julien de Rema, entre autres choses, était insultée d'hideuses bécasses à talons hauts. D'abrutis et de personnes sans cervelle. Il faut dire que quelques minutes avant d'évoquer la dite pétition, la jeune femme de 30 ans s'était un peu lâchée. Un accident de chasse, survenu à Montauban, lui avait fait monter la moutarde au nez. Donc soi-disant les chasseurs régulent la faune, écrivait-elle. Et ces abrutis de chasseurs. On la régule quand leur connerie? Ah oui, jamais ça rapporte tellement. Point. Anouchka Delon se soucie peut-être simplement de la planète qu'elle va laisser à son fils. En couple avec Julien de Rema depuis le début des années 2010, la sœur d'Anthony et Alain Fabien Delon a accueilli son premier enfant. Un petit garçon prénommé Lino, le 15 février 2020, à quelques heures de la Saint-Valentin. Et ça tombe bien, l'enfant est sans doute en âge d'écouter de fabuleuses histoires de lapins et de chasseurs.